Que de chemin parcouru depuis Florence Nightingale, cette pionnière des soins infirmiers modernes du 19e siècle. Une époque où l'infirmière était une exécutante au service du patient. Un rôle qui a été appelé à se transformer. Dorénavant, le personnel infirmier doit composer avec le patient. Au fait, infirmière, est-ce toujours une vocation? Et vous, auriez-vous pu exercer cette profession? C'est parfait! Je pense que j'aurais pas assez de patience puis de vouloir d'aider les autres. Le sang, le vomi, ces choses-là, ça me répugne un peu trop. Qu'est-ce que vous pensez que ça prend comme qualité ou comme compétence pour être infirmier ou infirmière? Ça prend quelqu'un qui a un grand cœur. Hein? C'est une vocation, c'est une passion. Enfin, je pense que ceux qui font ça, c'est qu'il y a au départ un don, peut-être, je ne sais pas. Ah, mais il faut déjà avoir beaucoup le sens des autres. Évidemment. Je pense que ça prend quand même beaucoup de courage pour être infirmière. Le don de soi. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. Pensez-vous que ça prend beaucoup d'études? Pas nécessaire. Tu peux très bien avoir beaucoup d'études, mais si t'as pas l'âme à faire ce métier-là, regarde. Il faut aimer ça. Ça, c'est sûr qu'on les admire. Ils font un très bon travail. Ils sont essentiels. Il serait minimum 167 battements/minute. Une profession encore très féminine. Car la relève chez les hommes ne représente que 12,9 % de la profession. Nous allons bel et bien former 2000 infirmières praticiennes spécialisées au Québec. En septembre 2017, le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, annonçait qu'on ferait plus de place aux IPS, infirmières praticiennes spécialisées, et qu'on leur donnerait plus de pouvoir. La profession infirmière est en grande transformation. En voici un portrait à travers les yeux de 5 de ses membres. 3 infirmières, un infirmier et une infirmière devenue directrice des programmes des soins à l'Université de Sherbrooke et vice-doyenne. Donc, aujourd'hui, on est rendu à 6 jours de la date de l'opération où on vous a opéré. Opéré pour vos pontages. Comment allez-vous? Hugues a été le premier à occuper ce poste au CHUS. Il pose des gestes dont certains étaient auparavant réservés aux médecins. Vous allez prendre une bonne respiration par la bouche. Un des volets de son travail concerne la chirurgie cardiaque. C'est vraiment d'assurer le suivi des patients en post-opératoire. Donc, concrètement, on voit les patients le matin, on s'occupe de ces patients-là dans le but de les faire évoluer tranquillement dans leur processus de soins, dans leur épisode de soins, pour les préparer vers un congé. Comme on s'est parlé ce matin, probablement que c'est le grand jour. Je pense qu'on est rendu prêt pour vous laisser partir, pour pouvoir aller à la maison. Mm-hmm. Sentez-vous prêt? Oh oui! Le second volet de son travail se déroule en clinique externe. Deuxième mandat, c'est soit en clinique externe, donc on parle des patients qui sont en insuffisant cardiaque, donc c'est un mandat où est-ce que la clientèle est ambulatoire, où est-ce qu'on s'assure de voir les patients de façon quand même assez fréquente, là, peut-être aux semaines, aux deux semaines, aux trois semaines, selon leur stabilité. Plaisir. Merci, Hugues. C'est bon. Outre les IPS, il existe certains postes infirmiers dont parfois on ne soupçonne même pas l'existence. C'est mal, hein? Oui. La stomothérapie, c'est une spécialité qui comporte 3 domaines. Donc, un domaine en lien avec la clientèle stomisée, donc des porteurs d'une stomie. Un autre domaine avec les plaies complexes. Et le dernier domaine en lien avec l'incontinence urinaire et fécale. La nuit, avez-vous des douleurs dans les jambes? Ceux qu'on voit le plus, qui sont le plus souvent chroniques, ce sont les ulcères de jambes, les ulcères du pied diabétique et les lésions de pression, ce qu'on appelle communément les plaies de lit. Certaines plaies sont curables, d'autres ont un potentiel de guérison. Et il y a les plaies palliatives qui ne représentent aucun espoir de guérison. Ce qui fait qu'elle guérit, c'est vraiment parce qu'elle porte une compression. La population est vieillissante, ce qui engendre des problèmes de santé plus complexes. Les patients séjournent moins longtemps à l'hôpital. C'est donc la communauté et les familles qui prennent la relève. Notre infirmière, elle est, oui, en relation avec le patient, mais elle a des connaissances scientifiques qui vont lui permettre de bien évaluer le patient, de proposer les soins qui sont adéquats, de faire un suivi en fonction des soins et de l'évaluation du patient. Donc, on complète, je vous dirais. On se plaît à dire que les soins, c'est un art, mais c'est aussi une science. On est donc plus que jamais dans le savoir. Avec ses programmes, l'Université de Sherbrooke prépare les infirmières en fonction des nouveaux besoins de la population et de la nouvelle réalité médicale. On ne fait pas des formations que relationnelles. On fait des formations relationnelles et scientifiques, et techniques, et technologiques. Donc, on met ensemble tous les éléments pour que nos infirmières soient capables de répondre aux besoins de la population dont on a parlé précédemment.
Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Sans compter qu'il faut vérifier sur le terrain les façons de mettre en pratique la théorie apprise sur les bancs d'école. On n'assèche pas, on laisse juste le temps faire son œuvre. En fait, mon rôle se veut un rôle d'orientation, formation des nouvelles ressources, puis les ressources qui sont actuelles aussi dans les secteurs que je couvre. Je couvre trois secteurs distincts, c'est-à-dire l'unité coronarienne, ici à Fleurimont, et deux unités de médecine-chirurgie, donc plus de clientèle cardiaque aussi. Merci beaucoup. C'est bon. Mais merci à vous. Vous êtes très gentil. Merci. Êtes-vous confortable comme ça? Oui. Donc, ce que je souhaite, c'est que tu fasses comme dans la réalité. C'est un patient de 28 semaines environ, retard de croissance. Fais une bonne évaluation physique. Donc, j'arrive au chevet de mon patient. Puis, je me mets à regarder mon patient, la coloration. Toujours dans le but de mieux encadrer la pratique infirmière et de la développer, Geneviève Paquette cumule plusieurs tâches reliées à la recherche, l'enseignement, le développement de la pratique infirmière et le soutien aux infirmières. J'ausculte. Est-ce que ça passe des deux côtés? Oui. Les laboratoires de simulation représentent une mine d'or pour les nouvelles infirmières. Tout est reproduit comme dans la réalité. Il répond pas, il respire toujours pas. Il va avoir l'équipe de formateurs qui va être de l'autre côté de la vitre, qui va s'assurer que les gestes qui vont être faits sont de qualité. Fait que c'est un milieu qui est sécuritaire parce que ça permet de faire des erreurs sans mettre la vie de quelqu'un en danger. Puis je vais être obligée de le ventiler parce que mon bébé ne veut pas respirer. Donc j'ouvre mon oxygène, je vais me brancher sur mon ambu. Depuis janvier 2012, la formation continue des infirmières est obligatoire. Dans le fond, c'est une norme de pratique professionnelle. Donc ça, c'est un aspect. Il y a aussi tous les protocoles qu'on peut développer, les règles de soins infirmiers, les ordonnances collectives qui fait que ça standardise pour avoir une pratique qui est le plus à jour et de qualité pour nos patients. Là, je demanderais de l'aide d'un inhalo, je demanderais de l'aide d'une amie infirmière pour avoir quelqu'un qui vient ausculter mon patient. C'est et bon. Il répond à ma ventilation. C'est terminé. Je l'ai sauvé. Dans certains pays, et aussi certaines provinces canadiennes, il est obligatoire pour une infirmière d'être bachelière, ce qui n'est pas le cas au Québec. Il y a de la place pour tout le monde en fonction du travail qu'on a à faire. Alors, on a de la place pour nos techniciennes, nos auxiliaires, nos bachelières, nos IPS. On a besoin de gens qui continuent des études, qui font des études supérieures. Faut mettre la bonne personne au bon endroit. Ça, c'est effectivement fort important pour les infirmières. C'est cette notion de ne pas dépendre d'autres professionnels, mais de devenir des professionnels à part entière. Fait qu'on va vous abrier un petit peu. Ouais, merci beaucoup. Depuis 20 ans, on parle peut-être moins de vocation chez les infirmières, car le mot vocation fait davantage référence à la relation d'aide. Les infirmières sont rendues plus loin dans leur rôle, car dans l'optique de la vision globale, l'infirmière doit s'intéresser à plusieurs aspects. En considérant mais d'où il vient ce patient-là, où lui veut aller, qu'est-ce que nous, on peut lui apporter avec, évidemment, la technologie, les connaissances qu'on a, et les connaissances évoluent tellement rapidement. Et dans 20 ans, où en sera l'infirmière? Il va avoir assurément gagné en autonomie, mais avoir assumé cette autonomie. C'est quelque chose de gagner en autonomie. Je vous donne l'exemple de la prescription infirmière. On souhaitait rapidement 10 000 infirmières qui allaient se prévaloir de ce droit de prescrire. On est au tiers. Donc, avec l'autonomie vient des responsabilités. On doit être bien formé, solide dans nos connaissances. On doit faire de la formation continue.